William Grimaud, ingénieur de l'Université de Technologie de Troyes, et puis ensuite diplômé d'un doctorat arts et métiers, et actuellement donc leader éco-innovation chez MTB. Donc à la fois MTB Manufacturing, qui est la société qui conçoit, fabrique et réalise l'ingénierie des systèmes de recyclage, et puis à la fois MTB Recycling, qui est opérateur du recyclage en France. L'objectif de la thèse, c'était d'apporter une quantification, donc d'évaluer la performance environnementale du recyclage. Et on l'a fait suivant un triptyque en fait, de performance économique, technique et environnementale pour choisir derrière les meilleurs scénarios, les meilleures solutions de recyclage. Ça m'a permis d'apprendre à prendre ce recul, d'aller très loin et d'être très précis, tout en prenant le recul inversement, donc à avoir aussi une vue qui soit très, très transversale et globale. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet chez MTB aussi d'être épanoui et d'avoir cette capacité de faire le pont entre les différents métiers, les différents services. Le prix Béziers, c'est un prix qui récompense les thèses qui ont eu le plus grand apport en fait, d'un point de vue scientifique, technique, innovation. Je suis l'un des heureux lauréats de ce prix. Donc, ça met aussi en avant la collaboration qu'il y a pu y avoir donc, entre un métier et MTB. C'est un sujet qui est pris de plus en plus au sérieux. Je pense que le grand public est de plus en plus sensibilisé aux problématiques de recyclage. On le voit sur certains produits qu'on a au quotidien chez nous où on se rend compte des difficultés qui peuvent exister pour les recycler. Et puis d'un point de vue industriel, on le voit avec l'apparition par exemple aussi de nouveaux produits tels que les batteries où on se rend compte de la difficulté à aller chercher les matériaux. Donc je pense qu'aujourd'hui le recyclage est vraiment rentré aussi dans une ère où on le considère comme un outil de production, en tout cas un outil de production de matières premières. Et nous, c'est vraiment d'apporter la preuve que nos matières ont le même niveau de qualité et peuvent répondre au même niveau d'exigence. Notamment sur les métaux, aujourd'hui on a complètement prouvé que notre aluminium, que le cuivre qui est produit par MTB reviennent à des taux de pureté qui sont équivalents à des matières vierges.